Guys, franchement, et gouvernement ça, de transit ça, commence à faire mon email et m'a souhaité au Québec comme ça. Ils ont mentionné plus de 12 à 13 diplomates haïtiens que ils suspectent qui impliqués dans le cas de corruption. Parmi eux, c'est moun qui te marraine parraine qui te mettait au travail comme chargé d'affaires ou bien ambassadeur dans le pays d'Haïti, dans quelques pays. Bon, depuis qu'on parle d'ambassadeur, nous, ouais, c'est moun qui tape travail à l'extérieur pays. Mais ça important parmi eux, nous, ouais, Madame Wideline François-Pierre, notre Madame Wideline François-Pierre, qui s'était ambassadeur Haïti dans le pays Chili. Et on fait comprendre que Madame, ça a passé des années que li pat jam voye pièce rapport aller dans ULCC ou bien pièce rapport aller en Haïti malgré yo te mandel rapport sa yo. Et en pile nan moun sa yo, nan diplomate sa yo fait comprendre que moun sa yo c'est moun ki fait ki te kon di yo gen tel bagay, yo achete ceci, yo achete cela, pourtant yo pat jam fait bagay sa yo vrai. Ça veut dire ça montre nous que moun sa yo ki en place là, au moins yo vini pour yo porter un changement. Vu ak toute corruption qui t'a fait dans l'ambassade, nous avons des misères haïtiens chez lui passé. Et moi, pense que ça, alors, moun sa yo, yo supposé mettre yo à la disposition de la justice haïtienne. Donc, ça veut dire, yo gros bagay pour diplomatie haïtienne. Nan. Moun sa yo, en quelque part, yo geta konnen yo gen la justice qui a voué les yeux sur yo. Gen moun ki ka di sa pran. Mais li vle di an pile bagay. Par exemple, yon moun ki pral vini kounya et nan diplomatie haïtienne nan, li pral geta konnen pou le pranmel parce que n'importe qui moment, yo kapab lage koukou rouge de elle, même j'ai lage koukou rouge de elle, an pile ambassadeur haïtien ki tap fe gagot nan diplomatie haïtienne. Parmi yo, Madame Wideline François-Pierre ki yo accusé, c'est moun qui impliqué dans des corruptions selon ULCC. Mais, comment est-ce que vous comprenez? Beaucoup de non, Fanfile comme moun y a investigué. Monsieur Modesty Fanfile, c'est un monde qui était dans l'ambassade d'Haïti dans le pays Chili avant Madame Wideline François-Pierre. Et c'est un monde, Mbadili, qu'on fait de corruption, mais sous mandat, sous gestion, sous administration, te gen en pile rakete, te gen en pile corruption dans l'ambassade Haïti dans le pays Chili. Donc, yon moun kon sa, d'après moi, si m'poko wè nol, parmi moun ki yap investigé yo, m'ba di, moun yap met sanction sous tête, parce que faut gen investigation. Mais, moi t'après mè wèl, au moins parmi moun ki yap investigé. Parce que, monsieur Modesty Fanfile, c'est moun ki mérite yon bon ti investigation sous gestion lan ambassade Haïti nan pays Chili avant Wideline Selik te la et nous konnen ki gagot ki te gen nan ambassade Haïti nan pays Chili. Donc si y ap investigé Wideline François Pierre et moi-même pense si gon bon investigation k ap fait yo ta supposé rive sou Fanfile Modesty. Et comme si nous voulons si gon travail k ap fait vrai y ap rive sou Fanfile et pas longtemps nous supposé ouais non Fanfile dans moun y a investigué. Bien dit oui. Moi pas et dit li ça, moi pas dit obligé faire mais yo ta supposé mener yon investigation sous administration monsieur Fanfile comme ambassadeur Haïti dans pays Chili. Gen des moun qui était ambassadeur en Haïti dans pays Chili et yo supposé jwenn ti bagay de yo. Yo supposé joindre ti bagay de yo. Quel que soit moun k'ap vini nan ambassade sa yo, faut que nou geta konnen pa gon silence k'ap fèt. Depuis nou fèt tintin, nou gen pou nou passer mal tan ko Wideline parce que pour moi comme diplomate diplomatiquement parlant, Wideline son moun ki passe mal. Parce que premièrement, li te vle kite le dirije par des moun ki te bassine nan corruption. Il n'y a pas de vle pour ton changement. Nous n'avons pas de problème avec Wideline, même s'il n'y a pas de diplôme. D'abord, c'est un problème que vous avez avec tout. Il n'y a pas de fait rapport. Et puis, Wideline n'y a pas de diplôme. So, Wideline n'y a pas de diplomate vrai. Donc, tout le bagage qui vient de mêler fait Wideline a sorti très laide et par la petite porte de la diplomatie haïtienne. Mais,
même s'il était tout bagaille depuis il t'a pas bon service dans la communauté, il t'a gardé le grand. C'est ça que fait monde qui a géré ambassade Haïti dans pays Chili dans moment là. Message bambou publiquement nous souhaiter que ou sorti comme un héros ou pas sorti à zéro. Même Jean-Widlin François Pierre sorti à zéro. Nous souhaiter que ou prenons, nous souhaiter que nous prenons, nous souhaiter que nous faisons bagaille bien et nous chasser corruption yo, nous pas fonctionner avec rakete. Bat pour nous gérer bagaille yo, pour nous faire bien, pour le aller, pour yo battre bravo pour nous. Moun ki la yo, c'est conseil pam pour yo. Donc moi ta souhaiter que quel que soit moun kap vini tout, c'est toujours même bagaille. Pour nous battre, pour nous faire bagaille bien, pour ne pas quitter nous diriger par des raquettes parce que nèg yo, c'est conseil attend nous parce que yo vle ça. Donc c'est juste conseil pam pour nous. On souhaite que nous pral si nous pas vle pral tout, puis devant bon, puis devant moi même ka gen problème pam qui est que soit moun ka di OK Whitney te qu'on a dit et dis dat et qu'on a pris dans mal le monde, c'est pas rimer dans mal le monde, même toujours suggérer nous, ça toujours fait mal tout. Le moi n'a pas gens de mauvais service ça yo dans ambassade Haïti surtout dans pays Chili. Nous même pas parler de pièces l'autre ambassade mais Chili comme si me garder Chili comme la caille moi, me garder Chili comme deuxième maman, c'est-à-dire que Haïti c'est maman, me garder Chili comme deuxième maman, me garder communauté haïtienne au Chili comme si c'était petite moi ou bien petit cousin ou bien zamim, c'est que me pas rien les n'a faire souffrir. Donc nous souhaiter que quelque soit mon gars venir dans l'ambassade ça au moins pour gérer son gars pour gérer bien pour qu'a sorti par la grande porte. Fait non, même si pas fait gros l'argent, mais fait non. Mais gros problème qui gagne en haïtien. Haïtien toujours fait besoin faire gros l'argent mais ou pas besoin faire non yo. Parce que nous dirigé par des corrompus. Tout monde qui vient yo aller puis bat bravo, OK, OK, il pas là, tel pas là, il là encore et puis nous changer le pas l'autre monde et puis tout bagarre fini. Mais pour nous, Jean Bagay a venu là, jeune monde. Cap gérer et y a tout les pieds derrière pour nous. Si nous jeune monde on ex-président qui prend le fait bagaille sérieux, il y a tout les derrière nous mettre 10 ans, 20 ans mettre passé. Yo castrer le nous la justice. Ça veut dire battre pour nous faire bagaille bien et puis pour nous sortir belle. C'est ça m'a dit nous, c'est ça qui est bon pour nous, c'est ça qui est bon pour le peuple là. Le temps pour nous fonctionner bien parce que nous tous ces haïtiens on pas payer bon service. Et vous demandez pour me payer l'autre monde encore pour le même service là. En tout cas, allez, abonnez-vous à notre vidéo.